Nord pour le projet Imagine. Donc vous avez vu sur les stations, c'est un projet de course au large. On a un bateau dont l'objectif est de faire le prochain Vendée Globe, donc le départ est au mois de novembre prochain. Alors on a choisi un angle un petit peu sur cette masterclass, c'est fédérer le sport pour une cause solidaire. Parce qu'effectivement le sport peut être le véhicule de plein de choses différentes, soit de la performance pure, soit effectivement un message. Et nous on a choisi de le faire avec un message de cause solidaire. Alors je voudrais commencer par vous expliquer, par raconter l'histoire de la légende du colibri, qui est notre symbole. Et alors cette attitude du colibri elle est super intéressante, et ça nous renvoie à nous, à chacun, à ce qu'on peut faire dans le monde. C'est-à-dire qu'on est tous confrontés à des difficultés qui nous dépassent. Même l'attitude du colibri, qui se dit « Ok, je n'ai pas la solution globale, mais c'est pas grave, je ne m'arrête pas à ça. Au moins, je me mets en route et je fais quelque chose. » Et le fait de faire quelque chose, ça va peut-être se faire poser la question aux autres, qui vont rejoindre. Et puis finalement, on va réussir à faire quelque chose. Et ça, en fait, ce colibri, c'est le symbole d'une ONG qui s'appelle le projet Imagine. Donc, je vous ai dit le nom de notre projet, c'est le Souffle du Nord pour le projet Imagine. Donc, on a déjà deux entités. Ça, c'est l'entité de l'ONG du projet Imagine. Le projet Imagine, c'est une ONG qui a été fondée par une femme du Nord qui s'appelle Frédérique Bedos, qui a une histoire personnelle assez étonnante, extraordinaire. Frédérique, qui a été confiée quand elle était assez jeune, c'est une nana qui est brillante, qui a eu son bac très jeune, 15 ans, je crois. En tout cas, elle a fait toute une carrière aux États-Unis et en France en tant que présentatrice télé. Et ben, on a une équipe. On a une équipe avec une équipe mère, notre bateau est basé à Lorient. Donc une équipe mère, avec en plus de Thomas, un boat captain, une responsable de logistique et un préparateur technique. Actuellement on en a deux parce que le bateau est en chantier. Et puis on a une équipe terre, dont je suis le responsable de projet, avec une responsable de la communication et un responsable des partenariats. Et comme on est une association, et ben on a plein de bénévoles. On a à peu près une cinquantaine de bénévoles qui viennent intervenir de manière ponctuelle sur des événements. En 2015, de mettre de s'approprier le bateau et de réussir à aller faire une belle participation à une belle épreuve qui s'appelle la Transat Jacques-Vabre, dont vous avez certainement entendu parler, pour pouvoir aller avec un certain nombre de courses de préparation intermédiaire, se présenter en novembre 2016 au Vendée Globe. Bateau dans lequel on a ce grand symbole du colibri avec le grand soin héros sur le toit. Le premier principe, c'est de leur dire, c'est pas du sponsoring, c'est du mécénat. C'est du mécénat parce que nous, on est une association. Et parce que nous, le message qu'on veut faire passer dans cet outil de communication qui est la course au large, c'est un message d'engagement. Et c'est un message de cause solidaire. Donc en tant que tel, notre association a un but d'intérêt général et donc peut permettre aux entreprises, par le guide du mécénat, de faire de la défiscalisation. Pas de visibilité. C'est-à-dire qu'on a choisi d'être un projet multi-entreprise. On va avoir une multitude d'entreprises en leur disant, vous allez nous aider à mettre en avant une cause forte, à mettre en avant un message dans lequel vous allez, on vous propose d'adhérer, mais vous n'aurez aucune visibilité sur le bateau. Pas de logo, vous avez vu le bateau tout à l'heure, il y a simplement le grand colibri, le message du projet Imagine. Et vous n'avez pas de visibilité. Par contre, votre investissement, on ne vous demande pas l'investissement d'une campagne de sponsoring. On ne vous demande pas de 1,3 million pour aller sur le bateau. On vous demande simplement, et c'est le troisième principe qui découle directement de la légende du colibri, c'est d'avoir une participation libre. C'est-à-dire que vous venez en faisant une contribution à la hauteur de vos moyens et à l'hauteur de votre capacité. Actuellement, on a 96 entreprises mécènes. Ça représente à peu près 7 000 collaborateurs.